Et bonjour à tous, nous revoilà sur Armored Warfare. Aujourd'hui, on va jouer avec le M113 Hellfire. On est parti en hardcore à feu de forêt. Alors, je vais vous faire voir où je passe généralement. Bon, c'est encore mieux si vous avez un véhicule qui a plus de portée de vue, c'est plus simple. Bon, après, j'ai peut-être tombé avec une bonne équipe, hein. C'est ce qu'on espère à chaque fois. Je tombe avec un TTB, un Leclerc, un 249 et un Armata T14. C'est un bon lanceur de missiles celui-là. Il a de la dépression, il roule bien, il est mobile. Bon, après, c'est pas ce qu'il y a de plus discret. Il a un camouflage qui est correct. Il a vraiment une vitesse de missile qui est vraiment sympathique. Et je crois qu'ils ont diminué le temps de rechargement, parce qu'avant c'était plus long que ça et c'était vraiment trop long. Donc là ils l'ont descendu un peu. C'est sympa. Allez, on va descendre par là. Alors généralement je passe par là. Je fais tout le tour et après je vais m'arrêter aux deux arbres qui sont là. Là, les deux arbres je les fais tomber. Hop. Hop, voilà. Je me mets entre les deux là. Et là généralement on a déjà une bonne vision sur ce qui arrive en face. Je sais pas si je l'aurais dit. Non, j'ai touché le... C'est qu'un bon, moi j'aurais fait des chenilles, ça m'aura permis de taper sans trop de problèmes. Ah, alors est-ce qu'on peut... Ah mince, il était où lui? C'est quoi le délire là? Ouais, j'ai pas bien compris ce qui me gênait. Qu'est-ce qui me gêne là? Y'a rien pourtant. Ouais, bizarre. Alors le TTB, bah, il a trop avancé, hein, parce qu'à l'endroit où il est là, je veux dire... Bon, je suis en train de recharger. Je vais décasser, j'ai caché derrière la maison. Voilà, petite cabane. Allez, on charge. C'est vrai que même 38 secondes, c'est long. Ouais, je m'en doutais. Ah, dommage. Alors quand c'est comme ça, après je me barre vite fait de l'autre côté de la map. J'aurais eu un char avec un... Oh mince, avec un canon ou un... Ou plutôt avec un automitrailleur, j'aurais fait les deux petites missions là. Parce qu'avec des missiles, gaspiller des missiles pour juste une mission secondaire, ça n'a aucun intérêt. Oh là 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 là. Là c'était... Alors quand je fais ça, faut faire gaffe parce que là vous pouvez vous faire spotter par le... Et là je fais n'importe quoi là. Des fois il y a un lieutenant bah, qui pop d'ici là. Donc si vous arrivez trop vite dans le coin, bah, vous tombez directement sur lui. Donc je vais me payer un autre rocher, voilà, super. Je fais le tour. Bon, j'aurais dû partir plus tôt, hein. J'aurais dû partir plus tôt. Mais bon. Alors, généralement vous, vous mettez là. Et là vous avez un bon angle normalement. Là je suis de côté. Alors faut finir des canons, faut finir des canons, faut finir des canons. C'est le but. Voilà.
je recharge. Je sais pas ce qu'il est parti faire, tes 14 armatas là-bas. C'est... C'est perdre un kit pour rien en fait, compte, hein. C'est bizarre. Il y en a qui ont de drôles de moves à un moment. Allez, on charge, on charge, on charge, on charge. Ouais, quand on attend, les secondes sont longues, hein. Franchement. Voilà, ça fait un lieutenant en moins. Voilà. Oui, si je suis devant, je vais te le faire. Bon, l'autre l'a fait. Ah, 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 attention. Allez! Non mais je vous jure. Dernier missile qui ricoche bien, non mais... Lol. Alors j'avancerai bien là, mais bon. Allez go. On va aller spotter un peu. Je sais pas ce qu'il est parti faire T14 là-bas. Oh, 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 c'est bon là. Me ramener à l'autre bout de la carte. Non mais c'est J'ai deux noix à te dire toi. C'est bon. BS là. Bon bah d'accord, super. Les missiles sont trop lents, c'est génial. On aime ça. Je recharge, reculer un peu parce que... Il faut très bien avoir des chars qui arrivent par là, là. T15 qui arrive par derrière. Ils l'ont rendu avant. Oui, ça s'est joué une fraction de seconde, mais bon. Alors le Bradley est où? Qu'est-ce qu'il y a là, ce matin là? Ah, c'est bien ce que je me disais, le 249, il joue pas. D'accord, il a été déco. Non, oui, il jouait pas. J'ai pas fait gaffe en fait. Il est toujours au point de spawn. Bah, les 2-3 missiles là, je sais pas où ils sont partis, franchement. À la limite que ça me dise un message, mais là, je pense pas les avoir loupés. Bizarre, bizarre. D'accord, c'est qu'il a pas joué. D'accord, c'est qu'il était pas là. Moi, j'ai pas fait attention. J'étais sûr de l'avoir vu bouger au début, mais bon. Donc, c'est pour ça que ça a mis du temps à se décanter à la deuxième cape, en fait, quand... Ah, ok, 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 ok. Ouais, TTB a spoté, T14 un peu, ouais. Utiliser son kit, lui aussi. Ouais.
Bon, bah, une petite partie correcte, avec, on va dire, des bons joueurs, ils étaient là, mais bon, heureusement qu'ils avaient des kits, parce que sinon, bah, ils seraient plus là en fin de partie. Ouais, et lui, bah, qui était là ou qui était pas là. Comme par hasard, c'est un russe, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Donc voilà. Bon, bah, c'était le Hellfire. Un feu de forêt en hardcore. Donc voilà. Bon, bah, allez, je vous dis à plus et au prochain char. Ciao, ciao!